Bonjour à tous, bonjour Laurence Thionneau-Herman. Bonjour. Le Téléthon, c'est donc ce week-end, ça commence d'ailleurs déjà maintenant avec les 4 vérités. On peut dès à présent composer le 36-37 pour donner. Bon, avec les attentats, c'est un Téléthon un petit peu particulier. Est-ce que les conditions sont difficiles ? C'est un Téléthon qui a lieu, c'est un Téléthon différent, mais c'est un Téléthon, je dirais aussi, très motivé, parce que sur le terrain, alors qu'il y avait déjà des manifestations qui débutaient le week-end dernier, ils ont dû faire face à des annulations ou à des reports. Ils ont vraiment, les bénévoles, fait preuve d'une ingéniosité extraordinaire. Ils ont trouvé des solutions quand, a priori, il n'y en avait pas forcément. Et puis, ils ont tous envoyé des messages, en plus, en 10 ans. Et ça, c'est vraiment la voix du terrain et la voix de tous nos bénévoles. Plus que jamais, on a envie de faire la fête. Je crois que tout le monde a envie de faire la fête, de faire rayonner le Téléthon. On a envie que le combat pour la vie gagne. Et donc, c'est un grand rendez-vous auquel on s'attend, parce que je crois qu'ils seront tous très, très présents et vraiment motivés. Ce lien social qui est assez exceptionnel, qui est tissé sur le terrain, il aura vraiment une force décuplée, je crois, cette année. Mais le Téléthon, la COP21, les régionales, c'est pas beaucoup en même temps. C'est particulier, c'est pas beaucoup, parce que je pense que il y a de la place pour tous ces messages extrêmement importants, et celui du Téléthon l'est comme bien d'autres, bien sûr. Et je crois que dans ce message fort du Téléthon, il y a aussi celui, en tout cas c'est ce qu'on porte dans notre association, celui de la résistance, parce que dans nos messages forts, c'est refuser, résister, guérir, et plus que jamais. Chaque année dans le Téléthon, il y a des nouveautés. Cette année, c'est quoi les nouveautés ? Chaque année dans le Téléthon, il y a de grandes avancées. C'est déjà ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a des pas de géants, qu'il y a des recherches qui avancent, et c'est formidable. Qu'il y a des chercheurs qui, si hier encore, ils pouvaient être pour certains sceptiques en disant, en tant qu'association de malades, c'est normal que vous vouliez guérir. Mais nous, on dit, bon, attention, il faut y aller prudemment. Maintenant, toute cette communauté scientifique dit oui, guérir, c'est possible. Et donc, notamment cette année. Il y a des cas. Oui, par exemple, le cas du jeune Seti. Voilà, sa photo. Exactement. Là, c'est un progrès de. Géant. C'est plus qu'un pas de géant, voilà. Seti et sa maman Aziza, donc famille ambassadrice de ce Téléthon. Seti atteint d'un déficit immunitaire, qui est la maladie de Huyscott-Aldrich, et qui a pu bénéficier d'un traitement innovant, d'une thérapie génique qui est née dans le laboratoire Généthon, qui s'est déroulée, qui lui a été appliquée à l'hôpital Necker avec le professeur Marina Cavazzana. Et donc aujourd'hui, avec plusieurs mois de recul, Seti a pu reprendre une vie la plus normale possible, courir, respirer. Est-ce qu'on peut parler de guérison ? On parle, en tout cas, aujourd'hui, d'une vie normale qu'il ne pouvait pas avoir avant. Ça, c'est déjà extraordinaire. Les médecins, de vous dire que ce n'est pas encore possible de dire guérir, parce qu'il faut attendre un temps de recul suffisamment important. Il faut au moins 10 d'années de recul pour pouvoir le dire. Mais déjà, il ne pouvait pas mener une vie normale. Il est à l'école, c'est formidable. Enfin, il sera sur le plateau ce soir, bien sûr. Il y a aussi Léo. Il y a aussi Léo, atteint d'une autre maladie, c'est une maladie de la peau, l'épidermolyse bulleuse. Donc ce sont des grosses bulles entre le derme et l'épiderme, qui fait que les parents deviennent plus des soignants que des parents. Florence Denis, les parents du petit Léo, disent combien ils portent d'espoir dans la recherche. Et là aussi, des chercheurs travaillent. Alors on n'est pas encore au stade des essais chez l'homme, c'est pas comme pour Seti, mais la recherche avance. Dans les 3 ou 4 ans qui viennent, il y aura un premier essai chez l'homme dans cette maladie extrêmement invalidante et qui vraiment fait beaucoup souffrir l'enfant et forcément les parents. Mais... Plus étonnant, le Téléthon travaille sur l'infarctus. C'est pourtant pas une maladie rare. Oui, parce que le Téléthon, c'est pour l'ensemble des maladies rares. C'est vrai, 6 à 8 000 maladies, c'est déjà énorme. Mais c'est vrai que pour l'infarctus du myocarde ou l'insuffisance cardiaque, le Téléthon aussi apporte des moyens, un certain nombre d'équipes, et notamment l'équipe du professeur Ménaché et du professeur Larguero de la PHP, et donc apporte des financements pour une innovation thérapeutique. Alors là, c'est à partir de cellules souches embryonnaires, donc...
le professeur Ménaché a pu mettre en place un premier essai en France à partir de cellules souches embryonnaires, donc développé avec le professeur Larguero un patch de cellules souches embryonnaires pour aller réparer le cœur, notamment chez des premiers patients. Il y a deux patients qui ont été inclus dans l'essai au profit d'un pontage coronarien. En même temps, ils mettent ce patch de cellules souches embryonnaires pour voir si la partie du cœur infarctie peut de nouveau battre. Donc c'est un essai très innovant et c'est aussi l'esprit pionnier des familles et des malades qui acceptent de rentrer dans cet essai. Mais c'est un essai qui ouvre bien sûr une voie énorme de l'espoir dans l'infarctus du myocarde. L'an passé, vous aviez récolté 93 millions. C'est suffisant ? C'est énorme déjà. C'est vraiment, je veux remercier les donateurs et les bénévoles qui participent à cette grande opération. Dire que c'est pas suffisant parce que bien sûr les chercheurs ont énormément de besoins, mais pour autant c'est magnifique cette générosité qui s'exprime et cet engagement. Et c'est vraiment ce que je voudrais faire ressortir, c'est que c'est une fête fabuleuse. C'est un oui à la vie et tous les Français nous donnent cette possibilité de dire oui à la vie. À l'espoir. Le Téléthon, c'est aussi une grande fête, peut-être la première de France. Malgré le contexte, elle aura lieu ? Elle aura lieu et plus que jamais, ce sera une grande fête parce qu'on se doit de la donner à la France entière, cette fête. Alors, je disais, on peut commencer à donner dès maintenant, dès les quatre vérités sur le 36-37, aussi... Ah, à 8 heures pile. Eh ben non, William. 8 heures pile. 8 heures pile, dans un quart d'heure. Ah, ouais. Voilà. 36-37 Téléthon. Vous m'aviez dit que ce serait pour les quatre vérités. Oui, pour les quatre vérités, parce que là, dès qu'on a terminé, je suis sûre que là, les téléphones vont exploser. Eh bien, on donne le top, alors, dans 5 minutes. Voilà, tout merci. À fait. Merci à vous. Merci, William. Laurence, à plus tard.